Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une vidéo Shein versus Zara, une vidéo dans laquelle on va comparer des produits qu'on retrouve sur le site Zara et en boutique aussi, avec des produits, donc des produits similaires qu'on retrouve sur le site Shein pour beaucoup moins cher. Alors ce sont des dupes, donc on peut effectivement tomber sur des produits avec une matière un peu différente, une couleur un peu différente, mais généralement ce sont vraiment des copies conformes de ce qu'on retrouve chez Zara et avec un prix plus intéressant. Donc ne bougez pas, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Alors, ok, donc juste avant de passer au haul et de vous montrer tout ce que j'ai réussi à dénicher, on va ouvrir une petite parenthèse concernant le sujet Shein, qui est un sujet quand même assez polémique en ce moment, qui divise beaucoup. Alors c'est vraiment un site qui fait parler en ce moment par rapport à l'écologie, la planète, etc., par leurs pratiques, etc. De toute façon, en ce moment, on est en train de traverser une période assez compliquée en tout point de vue, et c'est vrai que ça c'est un sujet supplémentaire qui prête aussi à discussion. Le truc c'est qu'il y a deux écoles en fait, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout Shein et qui ne consommeront jamais du Shein, et il y a des personnes qui aiment beaucoup cette marque là et qui trouvent vraiment leur compte pour différentes raisons et des raisons vraiment valables aussi. Et c'est vraiment ça qui est complexe, c'est que des deux côtés les arguments sont complètement légitimes et complètement compréhensibles, et la difficulté c'est de trouver un juste milieu entre les deux et d'essayer de se comprendre les uns les autres, parce que chacun a des motivations différentes, des envies différentes, une histoire, une situation différente, un budget aussi différent, la situation financière de tout le monde n'est pas la même. Clairement on aimerait tous pouvoir s'acheter des choses de qualité qui soient durables dans le temps, mais malheureusement on n'a pas tous la même situation financière, et surtout qu'en ce moment les temps sont un peu difficiles, et il y a des personnes qui aimeraient quand même s'offrir des choses, que ce soit des familles, des parents qui aimeraient offrir des choses à leurs enfants, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui cherchent des tailles aussi dans certaines boutiques et qui ne les trouvent pas, donc elles les trouvent sur le site Shein. C'est pour ça aussi qu'on peut aussi être amené à acheter dans ce genre de boutique là, et qui leur permettent de s'offrir des choses qu'elles n'auraient pas pu par exemple s'offrir en temps normal. Et la santé mentale c'est aussi quelque chose qui est important. On a beaucoup de pression au quotidien, la pression qui nous vient du travail, de la famille, de soi-même, du regard qu'on peut se porter sur soi et de pas mal d'autres choses, et se mettre une pression supplémentaire avec de la frustration, de la culpabilité, etc., c'est pas non plus une solution. L'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de comprendre les choses, de pouvoir s'améliorer avec son temps, à son rythme, avec les moyens qu'on a et le mieux qu'on peut. Parce que clairement la planète c'est important, l'écologie c'est très très important, c'est un sujet qui est quand même énorme. Il n'y a pas que l'industrie du vêtement qui est importante dans l'écologie, il y a énormément d'autres points ultra importants auxquels on peut aussi participer et auxquels on participe déjà chacun d'entre nous à notre manière et avec les moyens qu'on a. Donc c'est super qu'on se préoccupe de ce sujet là, il faut juste être indulgent et compréhensif avec les uns et les autres. Tout le monde n'a pas la même force de caractère non plus et tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. En tout cas pour moi la vérité se trouve entre les deux, et le plus important c'est de trouver un équilibre entre les deux justement, dans lequel on peut participer positivement pour le bien-être de la planète mais aussi pour son propre bien-être à soi, et c'est ça la plus grande difficulté. Et si on peut faire un peu plus à chaque fois et s'améliorer encore plus, ça serait vraiment l'idéal, sachant que tout ne repose pas non plus sur les épaules du consommateur. Clairement il y a aussi une grande responsabilité des industriels et des dirigeants, et c'est chacun d'entre nous individuellement qui devons trouver cet équilibre. Et si on pouvait le trouver ensemble en échangeant, en discutant, dans la bienveillance, dans le soutien, ça serait encore mieux, parce que finalement c'est ça le plus important, c'est de pouvoir s'élever et avancer ensemble positivement et surtout dans la bienveillance. Voilà. Sur ce, parenthèse fermée, on va passer tout de suite au haul. Ok, donc on commence avec le premier produit. Donc c'est une robe. C'est une robe en fait qui sur le site Zara m'a fait complètement craquer. Franchement j'avais un gros coup de cœur par rapport à la forme et aux couleurs de la robe. Ça fait vraiment printemps-été. Elle est très très jolie, vous allez voir. Oh oui, ça va, hein, la matière elle est vraiment pas mal. Elle avait l'air d'être satinée sur le site Zara. Là c'est un espèce de satiné. Après c'est pas non plus le vrai satin, mais c'est assez doux. On va voir comment ça rend. Voilà, donc elle se présente comme ça et franchement elle est trop jolie, j'aime beaucoup, j'aime bien en fait le mix de couleurs, j'aime beaucoup l'imprimé, j'aime beaucoup en fait la forme de la robe quoi qu'il arrive, et je la trouve vraiment super sympa pour le printemps. Après c'est vrai que le satiné n'est pas non plus le satiné qualitatif de dingue, mais elle est quand même assez douce, voilà, faut vraiment garder ça en tête en fait, c'est que souvent en fait les produits Shein, surtout quand il s'agit de satin ou des matières un petit peu nobles comme ça, ce sera pas toujours identique en fait à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres marques, ce sera toujours des substituts mais qui rendent quand même assez bien quoi. Voilà, je la trouve vraiment super chouette. Je vais la tester pour voir un peu ce que ça donne. Elle m'a coûté d'ailleurs 15,19€ parce que j'avais un code promo de 20% sur le site. Et sur le site Zara, elle coûte 49,95€, ce qui est quand même dingue niveau différence de prix quoi. Je vais la tester et je vais voir un peu ce que ça donne. Franchement, je la trouve super sympa portée. Elle est ultra agréable aussi, elle est légère. J'aime beaucoup le style en fait qui fait 70s aussi. Donc voilà, franchement, premier article, nickel. Ok, donc là on a une deuxième robe. Hop! Ah, la matière elle est un peu meilleure en fait que l'autre, c'est marrant.
C'est aussi du satiné, mais c'est un satiné un petit peu plus léger, beaucoup moins cartonné. Donc elle se présente comme ça. Ça me fait penser en fait au modèle caftan. J'aime beaucoup, beaucoup cette robe en fait. Je la trouve ultra originale et super chouette pour le printemps-été parce qu'elle a l'air vraiment très fraîche. Et ça fait du bien en fait. Et elle a sa ceinture avec. Donc c'est une robe chemise qui est boutonnée de haut en bas. Je la trouve très originale et assez classe aussi quand même. Et clairement, vous la voyez comme ça, vous vous dites vraiment, elle vient de chez Zara quoi, c'est pas possible. C'est vraiment un super dupe. Mais pour le prix, je trouve ça super intéressant. Ok, donc portée, ça donne ça. Et elle est ultra, ultra agréable à porter. Rien à dire. La qualité est vraiment top. Je la trouve nickel. Elle est même pas transparente. J'appréhendais un petit peu ça. Là, on voit les fentes. Mais ça va quoi en fait. Elle est pas trop courte. Donc, on n'a vraiment pas besoin de mettre quoi que ce soit en dessous. J'aime bien généralement retrousser les manches pour ce genre de produit là. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une démarcation en fait entre les deux couleurs. Mais bon, ça, c'est un détail. Hop, je vais mettre sur le cou pour que vous puissiez voir en dessous. Voilà, donc ça donne ça. C'est normalement pas trop mon style en fait, mais justement ça permet de changer un peu. Elle est vraiment fraîche, nickel pour le printemps-été. Ça fait habiller, ça fait classe, ça fait chic. On peut la porter pour sortir, pour le travail, peu importe. Elle fait vraiment nickel quoi. J'aime bien le fait qu'il y ait la ceinture aussi. Ça marque la taille, on peut la porter comme ça ou au contraire de l'autre côté. Voilà quoi, franchement, il n'y a rien à dire, nickel. Alors une autre robe chemise dans les tons bleus cette fois, avec des fleurs encore une fois. Je sais pas ce que j'ai avec les robes chemises, mais en fait j'ai envie de porter ça. J'ai envie de porter des robes un petit peu loose, un petit peu longues, fraîches pour le printemps-été. J'ai plus trop envie en fait de porter des jeans serrés qui font transpirer, qu'on sent, qui collent, etc. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, donc la matière, c'est la matière de la première robe. Donc c'est une espèce de satiné un petit peu dur. C'est en fait la même matière pour les personnes qui connaissent Shein et qui ont déjà acheté chez Shein des pyjamas. C'est la même matière en fait que les pyjamas. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ok, donc voici la robe. Et franchement, encore une fois, je la trouve super jolie. J'aime beaucoup les couleurs, l'imprimé, le modèle de la robe est très sympa. Il y a deux petits boutons ici, donc là c'est un petit peu resserré au niveau de la taille. Ça c'est nickel pour marquer sa taille, surtout pour les personnes qui n'ont pas la taille marquée un peu comme moi. Et pareil, je trouve ça fait super habillé tout en étant frais pour les vacances. Le prix 49,95€ sur Zara et sur Shein, je l'ai acheté 15,99€. Donc voilà portée. Et franchement, faut être honnête, ça me va pas du tout quoi. C'est vachement grand en fait. C'est pas du tout bien taillé. Comme j'ai pas beaucoup de forme, donc ça fait pas vraiment très joli. Ça baille un petit peu de partout. J'aimais vraiment bien l'idée et les couleurs, le motif et tout. Mais là, faut être honnête, c'est vraiment pas du tout, du tout joli. En fait, ça va pas du tout à ma morphologie, clairement. Et ça rend pas bien du tout, quoi. Ensuite, on a une nouvelle robe. Hop! Ah, la matière est sympa. Elle est super douce et ultra brillante. Et elle est vraiment très très légère. Ah, j'aime bien. Alors, c'est une robe drapée avec des manches longues et un col qui est assez profond. Les couleurs sont vraiment super vives. On a du vert, du rose foncé, du bleu. Il y a un petit peu de tout niveau couleur. C'est vraiment un micmac et même du jaune. Mais ça rend super bien. J'aime beaucoup les motifs. C'est vraiment très fleuri, très printanier. Ça veut vraiment été aussi. Donc, c'est vraiment sympa. Et je trouve que la robe rend super bien. Et je la trouve vraiment super super ressemblante. Si ce n'est quasiment identique en fait avec celle de chez Zara. Faudrait juste toucher en fait la matière de chez Zara pour être sûr. Mais en tout cas, comme ça visuellement, c'est vraiment nickel, c'est la même chose quoi. Et pour le prix, on la retrouve chez Zara à 39,95€ et je l'ai acheté 14,40€. Alors il y a un petit défaut parce qu'ici ça va pas assez loin, du coup en fait j'ai pas trop à fermer mon col parce que j'aime pas trop les gros décolletés. Il faudra peut-être que je mette une petite pince ou un truc comme ça, on verra bien. Mais sinon elle est ultra agréable aussi quoi. Moi j'aime beaucoup en fait le modèle, soit drapé comme ça. J'aime bien les couleurs aussi, c'est vraiment pas le genre de truc que je porte encore une fois. Pareil, je trouve que ça peut être très sympa pour le travail aussi, pour sortir. C'est frais, c'est gai, ça fait du bien. Non mais il y a rien à dire quoi, top. Alors une nouvelle robe, les couleurs sont complètement à l'opposé de ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est des couleurs beaucoup beaucoup plus foncées, beaucoup plus sobres. Et elle se présente comme ça, donc ça c'est vraiment pas du tout la même matière, c'est une matière un peu plus transparente, une matière un peu plus fluide. Elle est doublée je pense, et au niveau de la taille on a un petit jupon avec des petits froufrous. Je la trouve vraiment très très sympa. Et on a la ceinture pour marquer la taille. J'aime beaucoup les motifs, c'est encore une fois des motifs fleuris, cachemire, un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire. Et les couleurs, ce sont vraiment des tons chauds quoi, marron, orange, noir, terracotta, etc. Elle coûte chez Zara 59,95€ et je l'ai acheté 16,36€. Donc là on a vraiment une grosse grosse différence de prix. Il n'y a rien à dire. Ok, donc encore une petite robe mais super chouette qu'on peut porter encore une fois au travail ou à l'extérieur. Encore une fois, je suis agréablement surprise. Je me sens super à l'aise dans la robe, pas trop courte ni trop longue. C'est vraiment le genre de robe où on se sent à l'aise. Moi qui suis pas du tout à l'aise en général dans les robes, mais là c'est un truc de malade quoi. Je suis vraiment bien quoi, je me sens bien. Et je trouve aussi qu'elle fait habiller. Je la vois super bien avec des chaussures ouvertes à talons compensés, ou pour l'automne avec des petites bottines ou des cuissardes. Non, franchement
franchement elle est vraiment top. Ensuite on a deux chemises, la première, hop. Oh, la matière est très sympa. Ah, elle est très jolie, j'aime beaucoup, elle est très originale. Donc c'est une chemise à rayures color block qui est très sympa, elle fait vachement masculin, décontracté. C'est le genre de chemise qu'on porte vraiment large et loose, que ce soit avec un short, un jean ou un legging. Elle est vraiment super fraîche, j'aime beaucoup les couleurs. Et elle fait un petit peu quasiment lin en fait en termes de matière. Perso, je la trouve vraiment très chouette, la qualité m'a l'air vraiment super correcte. Chez Zara, elle est à 39,95€ et moi je l'ai acheté 14€. Elle est trop marrante cette chemise, je la trouve super originale mais je la trouve trop bien. C'est un truc de malade, les manches à quel point elles sont larges, je sais pas si vous voyez. C'est ultra large et la matière c'est pas du lin mais ça fait penser quand même pas mal à du lin. Elle est super agréable à porter parce qu'elle est pas du tout rêche, elle est douce au contraire, elle est fraîche, elle est légère. Je sais pas si vous voyez derrière mais elle est ultra longue. Donc on peut la porter vraiment avec pas mal de choses, des shorts ou des leggings justement surtout. Je suis trop fan en général des produits XXL super large, un peu boyfriend, daddy, etc. Et là c'est vraiment exactement ça, donc c'est parfait. J'aimerais bien aussi porter avec un petit chapeau Panama et un petit short, des petites tongs ou des chaussures à talons ouvertes, etc. Franchement très sympa. Une autre chemise trop belle, mais vraiment super jolie aussi avec un jean ou un short. Oh là là, ça pourrait rendre super bien, vraiment. Et j'aime beaucoup les couleurs d'ailleurs. Alors c'est une chemise en mode satiné à fleurs que je trouve très jolie. Avec un jean, c'est nickel. Alors le prix chez Zara, 30,95€, et j'ai acheté 13,20€ sur le site Shein. Personnellement, je la trouve très chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, donc voici portée et je la trouve très chouette. Elle est ultra agréable, encore une fois, elle est fraîche. J'ai pas chaud avec. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien retrousser mes manches, mais la coupe des manches ne permet pas trop de faire des manches serrées. Je vais vous montrer. En fait ça fait des manches vachement bouffantes et ça tient pas trop quoi. Après on peut trouver d'autres solutions pour retrousser ses manches. Mais là en même temps je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Mais je vais essayer de le faire un peu plus sérieusement et prendre un peu plus mon temps. Parce que généralement j'aime bien retrousser les manches de mes chemises perso. Non mais franchement je la trouve très chouette en fait. Et enfin dernier produit, j'ai pris un sac et c'est une couleur que j'ai pas du tout. Et le modèle j'aimais bien, je trouvais que ça rendait super bien. On va voir. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner franchement. Déjà c'est bien protégé. Oh! Franchement je suis super surprise. Clairement c'est pas du tout le genre de couleur que je porte en termes de sac. Mais je me suis dit que pour le printemps et l'été ça pouvait être sympa de rajouter un petit peps de couleur dans une tenue. Si on s'habille d'une façon assez basique avec des couleurs plutôt sombres, etc. Ça peut vraiment rendre super bien avec un petit peps de couleur comme ça. Et c'est un rose clairement bonbon, le rose girly par excellence, y a rien à dire, c'est le rose Barbie quoi. Et je le trouve vraiment très chouette. J'imaginais un peu plus grand mais en fait la taille me convient tout à fait. Parce que c'est un sac en bandoulière et moi j'aime bien porter des petits sacs quand il fait beau pour pas trop m'encombrer. On va enlever le papier pour voir la bandoulière. Oh, ah non mais il est top. Mais il est génial ce petit sac. En général j'ai toujours peur des bandoulières chez Shein parce que c'est vraiment le détail généralement qu'il néglige un petit peu et qui fait cheap. Ça dépend des sacs et là clairement il n'y a rien à dire quoi. Il y a le petit détail ton sur ton de la même matière en faux cuir rose et il y a la petite chaîne qui est vraiment très qualitative quoi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Plutôt bonne surprise. À l'intérieur c'est une espèce de faux cuir aussi tout noir, voilà quoi. Et pour le prix chez Zara il coûtait 22,95€ et je l'ai acheté chez Shein 14€. Il est pas trop mignon ce sac, franchement j'aime trop. Et là ça tombe super bien parce que ça va super bien avec la chemise, nickel. Il y a Blue qui est en train de ronfler, vous l'entendez? Non mais c'est un truc de malade, je m'entends plus parler. Bref, vous disais que le sac est très sympa et je suis vraiment super agréablement surprise et porté c'est encore mieux. Après la couleur, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité parce que c'est pas vraiment le genre de couleur que je porte en termes de sac. Je suis très classique en fait en termes de sac, je reste dans les tons beige, marron et noir. Mais ça m'a réconciliée avec les couleurs en fait, ça me donne envie de porter de plus en plus de couleurs, surtout avec l'été qui arrive et tout ça. Donc voilà, franchement super sympa quoi. Top. Voilà pour ce nouveau haul Shein versus Zara, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir des choses sympas aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite sélection et du site Shein aussi, si vous aimez acheter dessus, si vous n'achetez plus dessus, etc. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis, sachant qu'en plus de ça, j'ai d'autres vidéos Shein à vous proposer qui vont arriver bientôt. Voilà, sur ce, plein de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Mouah, salut.